fingertips on my skin. There's nothing that I wouldn't give to keep this love alive. We gave it all, we gave it up. The chemistry was not enough. T'es habillée. Attends, déjà je vais te remettre bien ça parce que t'as la chaussette qui passe au-dessus. En mode racaille, hein, le bébé là. Oh, coucou beau gosse. Coucou le beau gosse. Et hop, on piège Loric. On l'attrape. On attrape Loric. Oh, toi, coquin, toi. Coucou mon filou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous ai fait entre guillemets ma petite préparation. Donc c'est vraiment du vite fait, hein. C'est pas un maquillage de ouf. Et vous étonnez pas, hein, moi je suis pas une youtubeuse beauté, donc je suis pas forcément les trucs type qu'il faut faire. Putain, attendez, parce que là je suis blanche comme mon cul avec la lumière. Bref, c'est pas grave, hein, vous savez ce que c'est. La qualité, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis pas tout à fait les étapes et les protocoles qu'elles font les youtubeuses beauté, mais voilà.
Au moins, vous aurez vu, parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient demandé de leur faire un tuto make-up. Donc, c'est pas un tuto, c'est plus voilà, la préparation. Mais au moins, voilà, vous voyez un peu comment je me maquille. Donc, oui, moi, je fais le teint avant de faire les yeux. Je suis un peu chelou, mais c'est comme ça. Si vous me demandez de faire l'inverse, ça me fait vraiment bizarre, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sinon, là, on est dimanche. Donc, voilà, on est resté à la maison. On n'a rien fait de spécial. Vu que là, j'ai travaillé toute la semaine. Donc, hier, je suis rentrée très tard. Enfin, je suis rentrée très tard. Je suis rentrée, il était 20h30. Donc, voilà, autant vous dire. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, en fait, de faire des vlogmas. Donc, ouais, ça, franchement, j'aurais kiffé en faire. Mais tout simplement, c'est impossible. Parce que je rentre en fait le soir, il est presque 20h ou alors 20h30, ça dépend les jours. Et du coup, je vois pas quoi vous filmer à 20h en fait. Parce que je rentre en fait, le petit va direct au lit et après, ben, je regarde la télé. Donc c'est pas très passionnant, à part si je vous fais des vidéos où je vous raconte ma vie tous les soirs, mais bon, je sais pas. À vous de me dire. Parce que là, honnêtement, je sais pas du tout quoi vous filmer en vlogmas. C'est un petit peu chaud. Franchement, j'aurais été à la maison, ouais, sans problème. Là, je vous aurais fait direct des vlogmas. Mais en étant au travail, je vois pas quoi vous filmer. Si c'est pour vous ne rien vous filmer, en fait, ça sert à rien, quoi. Filmer pour filmer. Voilà. Donc, je suis un peu déçue de pas en faire. Mais d'un autre côté, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Faut travailler, c'est tout. Il n'y a pas le choix, les amis, hein. Donc voilà, là, je suis accompagnée de mon petit Lorik. Coucou, mon amour. Coucou, mon bébé. Eh, t'es beau, toi. T'aimes bien quand je te filme. Tu rigoles toujours. Eh ouais, ça t'éclate, toi, petite star. Ah, c'est un petit coquin. Bon, les amis, j'ai une nouvelle pour vous. J'ai décidé de vous spoiler la déco. Oui, je vais vous spoiler la déco de Noël. Tout simplement parce que au moins vous verrez le commencement et la finition, bah, parce que là je vais bientôt la finir, hein, je pense mon prochain jour de repos, voilà, je vais aller acheter tout ce qu'il faut au niveau de la déco, en espérant tout trouver, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Mais effectivement, là je vais tout terminer cette semaine, et comme ça vous aurez le pendant, voilà, vous aurez le avant, hein, parce que vous avez déjà vu mon salon, le pendant et le après. Voilà. Donc du coup, je vais vous spoiler tout ça. Pas gaffe, c'est un peu le bazar. On va commencer. Alors là, nous avons un homme avec un bébé. Coucou bébé. Coucou mon cœur. Voilà, c'est un modèle rare que vous pouvez trouver dans aucun magasin en fait. Hein. J'ai fait un petit peu tout le tour des magasins, on ne trouve pas. Non mais voilà. Donc voilà, mon mari avec mon fils. Les deux sur le canapé. Bref, je vais pas le filmer trop longtemps parce que le pauvre, il est un peu timide. Donc là, en fait, j'ai mis le petit cône que j'avais trouvé donc chez... comment ça s'appelle? Chez Action. Donc, regardez pas trop tout ça. Là, je vais... Normalement, je vais mettre d'autres décos si j'en trouve après. Donc là, j'ai déjà mis mon cône. Il faut que je mette des piles dedans. Ensuite, donc, mon mari, il a décidé de mettre la plante ici. Finalement, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Ça remplit un peu le coin. Elle était à la base avant où il y avait le parc de mon fils. Donc là, je trouve qu'elle est super bien. Ça remplit le côté là. Donc là, j'ai mis la lanterne que j'ai habituellement. Ça, c'était un cadeau de ma maman. Là, en dessous... Alors, attendez, je vais aller vous l'allumer parce que j'ai oublié. Attendez. Vous verrez mieux. Tac. Voilà. On voit mieux avec la lanterne allumée. Alors là, c'est la petite lanterne fourrure avec le petit cerf, en fait, derrière. Donc là, le pied du sapin que j'avais acheté chez Action. Le petit sapin, donc, qui vient également de chez Action. Et là, nous avons le roi. Voilà, donc vous voyez, en fait, il est vide. Il y a presque rien dessus. Il y a juste les boules, bah, que je vous ai montrées. Mais sinon, le reste, il n'y a pas, quoi. Donc, j'ai mis mes petites ailes d'ange. Donc, il y en a une ici et une qu'on voit peut-être un peu moins. Elle est là du côté. Bah, nous, on la voit bien quand on est devant, mais à la caméra, pas trop. Donc, voilà mes petites ailes d'ange pour les anges à qui je pense pour Noël. Donc là, vous voyez, je vais encore mettre donc des boules. Je vais mettre... ici, je me tâte. À la pointe, soit je vais mettre une pointe, soit je vais mettre en fait un nœud. Je verrai bien. Un gros flot, là, vous savez, j'adore ça. Donc là, voilà, ici, c'est comme ça. Là, j'ai mis mon cadre. Donc, celui de chez Action, il fait un peu petit, au final, ici.
Donc je sais pas si je vais le laisser là, ça dépend si je trouve autre chose, sinon je le laisserai là, on verra. Donc voilà, j'ai mis ça, il faut juste que je mette aussi des piles dedans, donc faut que j'aille en acheter. Et là, j'ai rien mis encore, vous voyez, là c'est vide. En fait, la plante, elle était là à la base, elle était là derrière. Donc là, je sais pas ce que je vais mettre. Et ici, j'aimerais bien peut-être mettre la chaussette de Lorik. Je l'ai pas encore achetée, là, je suis une mère indigne. Peut-être la chaussette de Lorik, peut-être une guirlande, je sais pas où. On va voir. Voilà, là c'est le bordel, hein. Regardez pas. Et voilà, c'est tout, quoi. Donc en gros, voilà, ça donne un rendu comme ça. Bah oui, bébé, tu pleures? Qu'est-ce que c'est ça? Dis donc. Alors? Voilà mon beau sapin. Donc je vous montrerai la suite plus tard, hein. Évidemment, j'ai oublié de vous montrer ça, mon petit centre de table. Alors soit il va rester là, soit il va kipper ici. À la base, je l'avais mis là. Là, je l'ai remis là, mais je crois qu'il va kipper après. J'en sais rien. Bah alors, nounours. Oh. Il est énervé. Je crois qu'il veut dormir. Bon, bref, voilà quoi. J'ai hâte de mettre mes piles dans celui-là, là. Et puis voilà, les amis. Bon, du coup, j'ai décidé de me mettre pour poursuivre la vidéo donc dans ma cuisine parce qu'au final, de toute façon, l'éclairage, je crois qu'il est un peu plus fort que là-bas, normalement. En fait, de toute façon, c'est partout pareil, j'ai pas de lumière. Et bon, comme c'est le téléphone en basse luminosité, ça prend pas parce que là, il est quelle heure? Allez, il est 5h30 et bah, du coup c'est le noir complet quoi, hein. Il faisait déjà nuit à 4h de toute façon, donc c'est simple. Et là aujourd'hui c'est trop beau parce qu'il neige, j'adore. Franchement je suis en kiff. Donc là ça faisait quelques jours déjà qu'il y avait neigé. Hein. Mais là je suis trop contente quoi. Oh, ça avance Noël. Là en plus je suis en plein dedans parce que vu que je travaille dans un magasin de jouets, là on a les chants de Noël toute la journée. Donc voilà, c'est trop beau, j'adore. Tous les petits sont émerveillés là devant les cadeaux, j'adore. C'est trop mignon. Franchement, on va dire, c'est un beau domaine en fait de travailler dans les jouets. C'est, je sais pas, j'adore. On a notre âme d'enfant qui revient, donc voilà. Après, que dire? Donc, je pense vous faire des vidéos parce que j'avais gagné un concours donc sur la chaîne de Maman Beauty Family, donc de Caro, donc. Au passage, je te fais un énorme bisou, ma belle. Donc, j'avais gagné en fait le calendrier de l'Avent Sephora, donc que je vais recevoir là d'ici les prochains jours. Donc, du coup, je pense vous faire une petite vidéo avec l'ouverture. Alors, vous me direz ce que vous préférez. Soit je vous fais une petite vidéo par jour. Attendez, je ferme juste la porte parce que du coup, mon fils là, il est avec mon mari, donc il fait un petit peu de bruit. Mais voilà, du coup. Bon, on entend quand même. C'est du carton les murs ici. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors vous me direz en commentaire, soit si vous préférez que je vous fasse une toute petite vidéo par jour pour ce que je déballe, ou si vous préférez que je vous fasse un global avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, j'en sais rien. Je sais pas ce que vous allez préférer. Parce que je me dis à la limite faire un tout petit vlog tous les soirs avec juste ce qu'il y a dans le calendrier ou je sais pas. J'hésite en fait à le. Je sais pas trop encore comment faire pour le présenter correctement. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez et ce que vous préférez en fait. Voilà. Comme ça je prendrai la majorité et puis je ferai comme vous avez envie, on va dire. Donc voilà. Donc sinon, bah nous on n'a rien fait aujourd'hui, on est resté à la maison, tranquillement. J'ai fait un peu de rangement, un petit peu de ménage, hein, truc habituel hein, qu'il faut faire pendant le jour de repos de la semaine. Et encore que j'ai pas fini, hein, j'ai pris vraiment mon temps aujourd'hui. J'avais envie de profiter de mon fils parce que bon, comme je le vois plus de la semaine forcément. Hein. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc j'ai hâte là d'aller acheter le reste de ma déco. Là j'ai vraiment hâte. Et puis je vais vous filmer ben, cette semaine. Je pense que je vais le finir ben, pendant mon jour de repos. Et direct quand je le finis, je vous fais la vidéo en fait du salon quoi. Je vous filme le salon en espérant que je vais tout trouver ce que je veux. J'ai quelques idées en tête, hein, mais
faut que je trouve vraiment ce que j'ai en, ce que je veux, quoi. Je vais aller voir à la foire fouille, je vais aller voir chez Action de nouveau. Et puis voilà, je croise les doigts pour vraiment tout trouver. J'aurais bien voulu, vous savez, un gros truc avec marqué bonne fête en paillettes, là, j'adore. Je le cherche depuis un moment, ou alors marqué joyeux Noël, vous voyez. Mais j'ai pas encore trouvé. Peut-être que j'ai mal regardé dans les rayons, faudrait que je revérifie. Et voilà tout, quoi. Donc écoutez, je vais pas vous faire une vidéo de 15 ans où je vais encore parler pendant 3 heures, parce que moi je me connais, je parle tout le temps, hein. Donc au bout d'un moment, même moi je me saoule en fait en regardant, en montant mes vidéos. Des fois je me dis c'est pas possible, je parle de trop, donc je vais essayer d'écourter les moments où je parle, on va dire. Comme là vous avez déjà eu le tuto donc pour la préparation, on va dire voilà, je vais plus me concentrer là-dessus aujourd'hui et je vais pas vous faire un roman à parler pendant 3 heures. Je voulais au moins vous spoiler un peu la déco, que vous voyez dans quel esprit je vais faire ma déco. Et puis après, bah voilà, j'ai hâte de vous montrer le rendu final. Ça va être de la bombe, je pense. Non, mais c'est les couleurs que j'aime bien, moi, les sapins comme ça. Bah d'habitude, je prenais en fait les autres années des sapins, on va dire, de couleurs. Alors, soit du noir, soit du blanc, soit du rose. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris un sapin vert classique. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il est pas mal. Il fait 2,40 m. Je l'ai acheté sur Amazon à 42 €. Donc franchement, c'est donné par rapport au prix qu'il y avait dans les magasins. Ceux de 2,40 m, ils étaient hors de prix, hein. Et il est assez fourni, quoi. Il faut juste que je le remette bien au niveau des branches, etc. Et je pense que ça va le faire vraiment. Donc je pense que je vais pouvoir le garder les autres années. J'ai juste mis un tout petit peu de bombe de neige. Et je pense que j'en rajouterai après. Quand je vais vraiment mettre mes boules dessus, que tout sera terminé. Je sais pas encore si je vais mettre des guirlandes, je sais pas. On verra. On verra bien selon mes goûts et mes envies du moment. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo donc si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne donc si c'est pas encore fait. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que on est de plus en plus chaque jour. C'est sûr, certes, on n'est pas beaucoup, mais c'est... Voilà. Là, on a atterri à 80 aujourd'hui. D'ailleurs, c'est grâce à Caro. Hein. Elle m'a fait un petit coup de pub sur sa chaîne. Donc merci énormément, ma belle. Je t'ai envoyé un message, d'ailleurs, tu verras. Et voilà, donc du coup on a atterri à 80, hein, donc ça me fait plaisir. Et puis bah au fur et à mesure ça va un petit peu augmenter, je l'espère. Et puis bah voilà. Après promis, vous aurez une qualité meilleure avec le temps. Donc voilà les amis, bah écoutez, merci à tous. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Donc je suis un petit peu plus active de temps en temps, donc c'est sur Instagram. Je poste en fait quelques photos, donc voilà, ça peut vous faire attendre des fois le temps que je vous mette du contenu. Voilà les amis, bah je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah, ciao ciao.